Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous Alors, après une, euh, une introduction de cette façon-là, on n'a pas, pas le choix que d'essayer euh, d'être à la hauteur. C'est pour ça que je dis toujours euh, j'ai oublié de lui dire, euh, s'il te plaît, euh, au cas où euh, les gens ne sont pas satisfaits, au moins on n'a pas fait une grosse présentation. Et puis après, euh, les gens se voient c'est qui ce gars-là Alors, pour ceux qui ont 50 ans et plus. Euh, vous vous rappelez tous, j'imagine, euh, dans le monde francophone, de Louis de Funès. C'était mon grand-père. Non Mais on me fait toujours le coup. Apparemment, je ressemble énormément à Louis de Funès. Euh, quand je vais euh, à l'époque, j'allais chercher des vidéos euh, au vidéo store et je ramenais mes enfants avec moi. Et puis je leur disais Écoutez, votre père était un acteur. Non, c'est vrai, oui, oui, oui. Regarde, et je leur faisais voir les, les, les cassettes de Louis de Funès. Et puis bon, ils ont cru jusqu'à presque l'âge de 15 ans que j'étais un acteur qui avait donné sa vie au Seigneur. Euh, alors, euh, donc, quand je vais en France encore aujourd'hui, euh, je vois les gens qui partent dans les bus en me regardant. Et puis moi de loin, je fais puis, Oui, oui, c'est toi, c'est toi. Alléluia! Je voulais être comédien. C'est vrai, je voulais être comédien quand j'étais jeune. Bon, je voulais pas être comédien, j'étais comédien. Mais euh, j'ai dit non, je vais être comédien pour le Seigneur. Je vais euh, travailler pour lui. Je vais donner ma vie au Seigneur. Et le Seigneur a fait de grandes, de grandes, de grandes choses. Premièrement, je voudrais euh, vous remercier, pasteur Pierre, pasteur Louise, pour euh, l'invitation que vous m'avez faite d'être ici ce soir. Euh, on se connaît. On est des amis de, de, de langue date, quand votre pasteur travaillait dans l'édifice de l'église de Fabre. On se connaît depuis cette époque-là. Puis le temps est passé. Comme vous le remarquez, je n'ai pas le même accent que vous avez. Parce que bon, je suis né en France. Et, mais ça fait plus de 21 ans que je suis au Québec. Et j'ai essayé, de toutes les manières possibles, d'essayer de prendre votre bel accent et votre belle langue. Mais j'ai pas réussi. Je suis pas, je suis pas arrivé. Alors euh, vous devrez pardonner mon accent. Euh, si vous me demandez qui tu es, euh, je, honnêtement, je sais plus. Je suis d'origine italienne, mais mon papa, et ma maman sont calabrais, euh, ont immigré en France où je suis né. Euh, Jusqu'à l'âge de 19 ans, j'étais en France. Et puis de là, je suis parti à Bruxelles faire mes études au séminaire théologique à Bruxelles. J'ai rencontré ma femme là-bas, dans une église italienne. Et puis de là, après deux ans, on est parti comme missionnaire sur l'île de Malte pendant cinq ans. Et puis de Malte, le Seigneur nous a appelés à venir dans ce beau pays très chaud, euh, le Québec. Quand je suis venu ici la première fois, c'était en juin. Bah, et... Euh, Jim Delia, que je, je connais depuis aussi de longue date, dans l'église Emmanuel, ou qui m'a fait venir ici. J'étais venu la première fois le mois de juin. Alors, je venais de Malte où il fait très chaud. Le mois de juin, juillet, août, j'étais ici pour voir si c'était la volonté de Dieu. Hein? Et puis, il faisait une chaleur incroyable. J'ai dit Waouh, c'est formidable ici J'ai dit oui. Et quand je suis revenu la deuxième fois, après avoir fait tous mes papiers, c'était le mois d'avril. Donc, il recommençait à faire beau. Je n'avais jamais vu un hiver. Mais le mois de décembre, et heureusement que j'habitais à peut-être un demi kilomètre de l'église Emmanuel où j'étais aussi comme pasteur des jeunes à l'époque. J'avais décidé un matin, je regardais il y avait une grosse tempête de neige et puis j'ai vu la neige qui, qui, qui j'avais jamais vu de neige comme ça dans ma vie, dans ma vie. Même en France où on est nous, si on a ça de neige, on arrête les bus, on arrête les avions, on arrête les les oiseaux, arrêtent les chiens, les chats, tout le monde arrête. On reste comme ça. Et je voyais la voiture, l'automobile la voiture, qu'on m'avait prêtée, qui disparaissait littéralement sous la neige. Ma femme et moi, on était paralysés. On disait Qu'est-ce qu'on fait On appelle les pompiers, on appelle la police, on, on va mourir, il faut les hélicoptères. J'ai décidé quand même d'aller à l'église à pied. Il faisait moins 30. J'avais un tout petit manteau, et puis j'ai commencé à marcher, et puis j'ai commencé à voir qu'il y avait quelques stalactiques qui commençaient <laughs> à, dans mon nez, et puis des stalagmites vers le haut. Et je l'ai brisé pour pouvoir respirer, puis je sentais plus mes mains, puis j'avais mal aux oreilles. Quand je suis arrivé devant l'église, paralysé, j'ai dit, je ne pouvais même plus parler. Dit, je dit, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Je suis mort, je suis mort. Et puis heureusement qu'il y avait une paire de diacres dans l'église qui m'ont vu, ils ont eu pitié de moi, ils m'ont pris, ils m'ont ramené près du, près du chauffage. J'allais pour toucher mes oreilles, ils m'ont dit, Touche pas tes oreilles. Je dis, mais pourquoi Regarde. J'avais l'impression d'être Mickey Mouse. J'avais des oreilles grosses comme ça, épaisses comme ça. Honnêtement, et puis apparemment, si on les touche, ça risque de tomber. Ben je vous assure que je ne savais pas comment faire pour rentrer à la maison. Et c'était rien qu'à 500 mètres. Ben depuis, c'est 21 hivers que j'ai fait ici. Et là, je suis un peu plus intelligent cette fois. Quand je sors, je fais très attention. Mais ça a été une expérience formidable. J'aime le Québec. J'aime le peuple québécois. J'aime la langue française. Vous savez, Dieu est. Incroyable sens de l'humour. Si on avait 4-5 heures, je vous racontais un peu mon témoignage, ma vie, peut-être une autre fois. Mais euh, Dieu est un Dieu merveilleux. Il sait comment agir avec les gens. Je suis un gars qui aime rire, j'aime l'humour, etc. Et, et euh, Dieu euh, savait comment euh, me prendre. Et, et euh, ça a été de façon merveilleuse et miraculeuse euh, le fait que je sois venu à, à, à rencontrer le Seigneur et puis à travailler pour lui. Euh, mais. Euh, ça fait 33 ans que je suis dans le ministère. Vous n'allez pas me croire. Si je prêche une fois par année en français, c'est un miracle. Ah ouais, c'est que ça a été ou en maltais, ou en, en anglais, ou en italien, mais en français euh, à l'occasion quand euh, des pasteurs comme votre pasteur m'invitaient à prêcher. Donc si aujourd'hui il y a quelques paroles que, qui vont pas bien sortir, c'est parce que j'ai un peu perdu la main en français. Mais apparemment, c'est un peu comme nager ou faire du vélo. Euh, ça revient quand on, quand on pratique, n'est-ce hein, pas? Est-ce que vous me comprenez tous? Oui? Je ne parle pas trop vite. Non? Ok. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions encore ce soir pour ta gloire, pour ton honneur, pour l'honneur que tu as, l'honneur de ton nom, la beauté de ton nom, ta majesté, Seigneur. Nous voulons reconnaître ce soir qui tu es et t'adorer, Seigneur, pour qui tu es. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes, nous sommes ici avec un cœur gré rempli de gratitude pour l'œuvre merveilleuse de ta grâce. Mais Seigneur, nous sommes, nous voulons apprendre aussi à t'adorer pour qui tu es. Et Seigneur, si nous sommes ici ce soir et si nous sommes dans la joie, comme j'ai vu une église remplie de joie, eh bien, Seigneur, c'est parce que tu es notre Dieu. C'est parce que nous sommes sous l'ombrelle de la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'un jour, toi, tu es venu et tu nous as rejoints, tu nous as touchés, tu nous as guéris, tu nous as rachetés et tu nous as apportés à la maison, Seigneur. Et nous sommes ici pleins de reconnaissance ce soir. Et il est merveilleux de voir, Seigneur, que même alors qu'on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, et tout d'un coup, Seigneur, rien qu'avec quelques secondes, on a cette amitié, cette, cette familiarité qui vient, et tout cela, c'est parce que nous sommes unis par euh, ton nom, nous sommes unis par la puissance de ton esprit. Seigneur, je te prie de me bénir ce soir et de bénir ma parole, la pa ta parole, Seigneur, que, 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 que j'ai l'honneur d'apporter, le privilège d'apporter ce soir, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi pour les erreurs, pardonne-moi si, si, euh, si je ne présenterai pas ta parole comme toi, tu veux que je la présente, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton aide et j'ai besoin de ton encouragement, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, euh, il paraît qu'il va y avoir une tempête de neige, alors je vais prêcher seulement une heure, une heure et quart, pas plus que ça, ok euh, Je voudrais lire la parole de Dieu tout d'abord, et euh, ça ne sera pas seulement un verset, mais ça sera un passage des saintes Écritures. Oui, viens ma sœur, viens. Je sais ce que c'est d'être assis là-bas et de vouloir donner la bouteille d'eau au prédicateur. On ne sait pas si on peut aller. C'est tellement gentil. Merci. On va lire dans euh, Josué chapitre 4. Je lis dans la version Louis II et euh, on va lire à partir du verset 1. Ça va être un petit passage assez long, mais il est important qu'on puisse lire tout ce passage. Euh, et l'important, c'est qu'on lise la parole de Dieu. De nouveau, merci, euh, Pasteur Pierre, pour cet honneur et privilège. Pasteur Louise, merci. C'est un nom que j'aime beaucoup. Vous savez pourquoi ma soeur s'appelle Louise. Et j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de prier pour Louise, pour ma soeur. Quand vous penserez à votre pasteur, Louise, pensez à ma soeur. Ma soeur a juste 50 ans. Euh, elle est seule. Euh, son mari l'a quittée il y a plus de 20 ans. Elle aime le Seigneur, elle est vraiment forte. Il y a 5 ans, elle a adopté une petite fille de Bulgarie qui avait 5 ans, la petite, quand elle est venue à la maison. Imaginez, c'était un enfant un enfant qui avait vécu dans un orphelinat, qui était arrivé à un âge où 5-6 euh, ans, dans ces pays-là, des fois, c'est difficile à, à être adopté, parce qu'on veut toujours adopter des bébés. Quand elle a ramené cet enfant à la maison, c'était comme un, un petit être sauvage. Il y avait tout à refaire. Et pendant 5 ans, cette fille, maintenant, elle a 10 ans, elle s'appelle Marie-Charlotte, elle est formidable, c'est ma nièce, c'est ma famille, c'est mon sang. Une petite fille bulgare qu'elle a adoptée. Et puis, il y a 2 ans, 2 ans de ça, ma soeur a été euh, diagnostiquée euh, avec, avec euh, euh, le cancer aux ovaires. Et c'est un des, 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 des pires. Euh, stage, dernier stage, on l'avait déjà mis en, en palliative care. Et euh, on a prié, j'ai pleuré, j'en suis encore sur le choc, encore aujourd'hui. Et euh, elle a eu... La chimio, opération chimio, et puis pendant deux ans, tout allait bien, et puis euh, il y a quelques, un mois de ça, le cancer est revenu. Mais euh, c est, c est, on ne on, on sait pas ce que c'est tant qu'on n'y passe pas. Ça a changé nos vies. Euh, elle, elle prie, elle dit, Seigneur, tu m'as donné cette fille, je sais que tu vas me guérir, je sais que tu vas me guérir, on va on va prier pour elle. Et, et je lui ai dit, chaque fois que j'irai dans une église prêcher, eh j'aurai le courage, si j'aurai le courage, je, je vais le dire à l'église, même que vous ne la connaissez pas. Priez, priez pour Louise, afin que le Seigneur lui donne encore des années de vie, pour qu'elle puisse continuer à élever euh, cet enfant que Dieu lui a donné. Amen. Donc, merci pour me joindre euh, à ça. Alors, euh, nous allons lire ce passage euh, des Saintes Écritures. et je, je, Donc, j'avais dit, Josué, chapitre 4, verset 1. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez douze hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, douze pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les douze hommes, qui choisit parmi les enfants d'Israël un homme de chaque tribu. Il leur dit Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël. Afin que cela soit un signe, écoutez bien, afin que cela soit un signe devant l'arche de l'Éternel, pardon, euh, à mon âge là, on saute des lignes parce qu'on ne veut pas mettre nos lunettes pour pas euh, avoir l'impression d'avoir plus de 50 ans. Alors, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres Vous leur direz les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais, seront à jamais. Alléluia. Un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait de ordonné. Ils enlevèrent douze pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi douze pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds du sacrificateur. Qui portaient l'arche de l'alliance et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Celui qui a écrit ce passage devait probablement avoir <laughs> bu un verre de vin en trop parce qu'il se répète énormément. Mais en tout cas, on va lire comme c'est écrit, n'est-ce pas Vous voyez les répétitions Je pense que c'est fait exprès pour que on puisse comprendre une certaine importance de ce que Dieu veut nous dire. Amen. Amen. Alors les sacrificateurs, verset 10, qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué, de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse leur avait dit. J'ai presque fini. Environ quarante 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Et ils le craignèrent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué ordonna cet ordre, donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le, le dixième jour du dixième mois et il campa à Gilgal à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué adressa à Gilgal 12 pierres, les douze pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants, vous voyez comme ça se répète de nouveau, lorsque vos enfants vous demanderont un jour, demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres Vous vous en instruirez, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé le Jourdain à sec. Car, deux versets encore, l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous en eussiez, vous eussiez passé. Comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer, à la mer rouge, qu'il a mis à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé. Afin que tous les peuples de la terre, Alléluia, sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Alléluia! Ouh, je suis déjà fatigué, j'ai envie de rentrer à la maison là. Non, c'est pas vrai. N'oubliez pas! N'oubliez pas. Moi, j'aime la plaque d'immatriculation euh, au Québec. Je me souviens. Alors, chaque fois que vous verrez cette plaque, une plaque d'immatriculation s'écrit, je me souviens, vous vous rappellerez de Louis de Funès et vous vous rappellerez du message de ce soir. Amen. N'oubliez pas. Vous voyez euh, la répétition dans ce passage. Ce n'est pas seulement le fait qu'ils ont passé le Jourdain à sec, parce que c'est un gros miracle, comme quand ils avaient passé la mer, euh, la mer Rouge, vous vous rappelez, c'est quelque chose de, de significatif. Si ça m'arrivait à moi, je crois que, que ça m'aurait complètement... Euh, je, je serais resté ébahi devant un tel miracle. Mais là, nous voyons que le peuple d'Israël est habitué au miracle de Dieu. Et l'importance dans ce texte, c'est sur le fait de se souvenir de ce que Dieu a fait pour chacun. D'entre nous. Et ces pierres, ces pierres de commémoration, eh bien, étaient un signe de la présence de Dieu pour la génération qui venait juste après, la génération future. Il s'agit en fait d'un mémorial à la fidélité de Dieu, un monument qui dit, comme on le lit à la fin, Dieu a fait de grandes choses. Alléluia! Combien d'entre nous peuvent dire ça ce soir? Dieu a fait de grandes choses. Amen. Dieu a fait de grandes choses. Le diable ne veut absolument pas que nous nous rappelions de ce que le Seigneur a fait pour nous. Il déteste quand on retourne dans le passé et qu'on médite et on se souvient de combien et de comment le Seigneur a été fidèle avec nous. Il ne veut pas. Il il, 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 il n'est pas content quand on retourne en arrière et qu'on pense à combien Dieu a été fidèle avec nous. Il aime quand nous devenons amnésiques. Il fera tout en son pouvoir, l'ennemi qui est réel, afin que vous perdiez votre mémoire. Il veut que vous oubliez. Et s'il atteint cet objectif, il a gagné. Savez-vous pourquoi? Parce que s'il est vrai que nous sommes des enfants rachetés par le sang de l'agneau, euh, lavés, purifiés, que la grâce de Dieu est intervenue dans nos vies, s'il est vrai que nous sommes le résultat de l'amour de Dieu, il est aussi vrai que nous sommes le produit et le résultat de nos expériences. Nous sommes qui nous sommes à cause de Dieu, ce que Dieu a fait dans nos vies. Et une fois que nous oublions cela, nous nous engageons dans une défaite assurée. Une des armes les plus puissantes de l'ennemi est le découragement. Surtout quand nous sommes spirituellement, et ça arrive à tout le monde, hein, ça arrive à moi, à moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois, quand nous sommes spirituellement et moralement euh, faibles et, et fatigués. Or, le découragement, c'est quelque chose qui peut tuer, littéralement tuer une personne. Euh, je ne le dis pas souvent. Mais j'ai aucune honte à le dire. Et il y a 3-4 ans de ça, euh, ma mère a fait une thrombose. Elle est restée paralysée pendant un moment. J'ai dû partir en France. Euh, puis je suis retourné. Trois mois plus tard, mon père a fait une crise cardiaque et une thrombose en même temps. J'ai dû retourner et je suis revenu ici. Trois mois plus tard, ma soeur a eu un cancer, une grosse opération. J'ai dû retourner, partir. Et alors, quand je revenais, ma femme était malade. Elle a subi une grosse opération. Crac Il y a quelque chose qui a cassé. Et j'ai passé huit mois de dépression. Ouh, mais pasteur, ça ne se dit pas ces choses-là. Un pasteur ne dit pas qu'il a passé un moment de dépression. Un pasteur, c'est fort. Un pasteur, ça doit montrer... Eh ben alors, désolé, mais c'est la vérité. J'étais à plat, j'étais couché sur mon divan. Je me présentais le pupitre, au vite le dimanche matin, puis je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment prêcher. Je remercie le Seigneur pour une église qui m'a soutenu, qui m'a aimé. C'était un des moments les plus, les plus difficiles de ma vie. C'était horrible, j'avais peur de jamais m'en sortir, mais comme vous voyez, je m'en suis sorti euh, avec l'aide du Seigneur. Euh, ça a été euh, un moment où vraiment où j'ai compris ce que ça voulait dire, quelle était l'arme que l'ennemi utilise le découragement. C'était horrible, euh, un, moment, un moment vraiment... Des plus difficiles. Je n'ai pas le temps ici pour vous raconter un peu les circonstances de ce que j'ai vécu pendant cette période-là, mais ça a été un point tournant dans ma vie où le Seigneur a complètement changé ma, ma, ma façon de voir les choses, ma fa façon de voir les gens, ma façon de voir d'aider les gens. Euh, c'est comme si maintenant je, 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 je vois plus la douleur, je, je comprends plus les gens. Avant, c'était bien, on prie, euh, oui, le Seigneur est bon, bon courage. Maintenant, c'est. Non, non, euh, avant de prier, raconte-moi ta vie. Parle-moi, dis-moi un peu, et puis j'analyse, euh, parce que j'ai vécu. Et puis les gens, vous savez, quand on passe par des moments difficiles euh, et de tribulation, les gens savent, parce qu'il y a une certaine maturité qui se crée en chacun d'entre nous, que les gens perçoivent, les gens perçoivent, et ils savent, cet homme, cette femme de Dieu, eh bien, c'est une personne, merci, qui sait ce dont elle parle. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes des personnes, merci, d'expérience. Et l'ennemi sait comment utiliser cette arme. Vous savez, l'ennemi ne lit pas nos pensées. Hein. Il y a des gens qui disent oui, l'ennemi lit le cœur, il lit vos pensées. Non, il n'y a que Dieu qui peut lire la pensée de l'homme, il n'y a que Dieu qui peut lire le cœur. Le diable est futé, il est intelligent, il n'est pas stupide. Et il est là, de, ça fait longtemps qu'il est là. Et puis il la connaît bien, la parole de Dieu. Hein. Souvent, il sait beaucoup de choses euh, de, euh, à notre sujet, c'est parce que on parle trop. Hein et on ne dit pas les choses qu'il faut, qu faut dire et on dit les choses qu'il ne faut pas dire. Alors il écoute, lui. Il écoute et puis après, bon, il élabore, il prend toutes les paroles qu'on dit et puis paf, il vient vers nous et c'est comme si on dit ouais, Comment il sait ça <laughs> Et tu verras qu'il sait moins. Hein. Moi, tu racontes Loue le Seigneur Et, et dans le gossip. Vous savez que le gossip, c'est une des armes les plus puissantes. Hein. Euh, en fait, quand on fait ça, on fait un peu le travail, c'est la maldisance. Hein. Le commérage! Ah ah. Et le commérage, c'est en fait une arme qu'on utilise nous-mêmes et le diable n'a rien à faire. On fait tout pour lui. Et ça, c'est dangereux. Le diable veut qu'on soit découragé, il veut qu'on oublie. Il va nous amener à croire que Dieu nous a, nous a abandonnés. Oh, je savais, j'étais presque certain que Dieu m'avait délaissé, que Dieu m'avait abandonné dans un moment de difficulté. Il va essayer de nous faire croire que Dieu n'est pas intéressé à nous, qu'il n'est pas intéressé à, à nos familles, qu'il n'est pas intéressé à l'Église. Frères et sœurs, pour éviter que cela se produise, vous avez besoin, nous avons besoin régulièrement de jeter un regard en arrière et de redécouvrir les pierres, les témoignages. Les miracles, Alléluia, les bénédictions que vous avez érigées tout au long de votre marche chrétienne. Ce mémorial que sont les témoignages inoubliables de ce que Dieu a fait pour vous. Or, oh, quand vous passez par un moment de difficulté où l'ennemi veut vous décourager, eh bien, ne vous laissez pas abattre. Retournez en arrière. C'est une des fois où il est bon de retourner dans le passé et de regarder une après l'autre toutes les expériences merveilleuses que vous avez eues avec votre Seigneur et Sauveur. Lorsque vos enfants vous demanderont ce que le Seigneur a fait, vous leur direz, le Seigneur a fait de grandes choses. Quand l'ennemi vient et essaye d'amener le doute dans votre cœur, Montrez lui, s'il vous plaît, montrez lui vos plaques, vos trophées sur lesquels sont imprimées les grandes œuvres que Dieu a accomplies dans votre vie. Vous êtes chacun d'entre vous, nous sommes, nous qui sommes rachetés par le sang de l'agneau, un trophée et un témoignage pour le Seigneur. Lorsque vos enfants vous demanderont ce que le Seigneur a fait, vous pouvez leur dire basé sur ces expériences, basé sur le passé, basé sur la fidélité de Dieu. Le Seigneur est ma forteresse au présent, parce qu'il l'était dans le passé. Le Seigneur est mon soutien, il est mon secours, il est ma protection, il était présent et puissant. Dieu a fait de grandes choses et ces pierres seront à jamais un souvenir pour une nouvelle génération qui a besoin d'entendre parler des bienfaits de Dieu. Il est important, il est vital de ne jamais, jamais, jamais oublier. Alléluia. Rappelons-nous de la fidélité de Dieu, de ce que Dieu a fait dans vos vies. Vous allez passer des moments difficiles, la semaine prochaine, le mois prochain, je ne connais pas votre vie, et dans l'amour du Seigneur, je sens que nous sommes unis, nous ne passons pas tous les mêmes problèmes. Au même moment, grâce à Dieu, mais je peux vous garantir que euh, ce, ce ne sont pas les, les difficultés ou les, les tribulations qui vont manquer. J'ai reçu un email, un courriel, d'une personne toute paniquée euh, qui me disait euh, :« Pasteur Joseph, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'Église persécutée. On fait rien, on est assis sur nos, nos, nos chaises. Euh, » Et puis bon, c'était un petit peu graphique comme email. Et euh, et alors elle voulait une réponse de moi. Qu'est-ce qu'on fait pour l'église persécutée Alors j'ai prié à ce sujet-là. J'ai beaucoup d'amis à moi euh, qui étaient à l'école euh, biblique avec moi, qui sont maintenant pasteurs en Égypte, pasteurs en Iran, pasteurs certains qui, qui, qui ont été tués par, euh, à cause de leur foi euh, vers le Seigneur. Donc je sais un peu ce que c'est euh, l'église persécutée. Alors j'ai répondu, surtout ne fais rien. <laughs> Laisse-les tranquilles. Si tu veux faire quelque chose, j'ai répondu, prie pour qu'ils prient afin que nous ayons les mêmes expériences qu'ils ont. Parce que l'Église, quand on étudie l'histoire de l'Église, a grandi, était forte en plein milieu des persécutions. J'ai des amis à moi qui étaient pasteurs dans les églises, dans les pays de l'Est, qui me disent que depuis que la démocratie est venue au pouvoir, depuis que le capitalisme est venu au pouvoir, que les églises diminuent. Qu'avec la persécution, église, les églises étaient fortes. En Égypte, j'ai fait, mont... fait voir une vidéo dimanche dernier à l'Église, où, dans un grand square en Égypte, plus de 70 000 chrétiens coptiques, qui pendant plus de 20 minutes, avec les caméras, etc., en Égypte, qui, l'Égypte est un des pays qui est le plus contre... Euh... Contre l'évangile, il hein, faut faire attention, aux camouflage des, des, du tourisme et des pyramides, il euh, faut faire attention. Eh hein. bien, pendant plus de 20 minutes, vous hein, voyez les caméras qui passent, 60, une foule énorme qui, pendant plus de 20 minutes, criait le nom de Jésus. Yeshua, 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 Yeshua. Le risque que ces personnes prenaient est incroyable. Hein. On ne peut pas comprendre ça ici. Mais au travers des persécutions, au travers des difficultés, eh c'est là qu'on devient plus fort. C'est là que notre foi prend sa valeur. Alors n'ayez pas peur des difficultés. N'ayez pas peur des problèmes. Et quand les problèmes arrivent, les difficultés arrivent. C'est une occasion pour chacun d'entre nous de pouvoir dire, Seigneur, je n'oublie pas ce que tu as fait dans le passé. Parce que je sais que dans cette situation et dans cette situation et dans telle situation, tu as été fidèle et tu as miraculeusement œuvré. Eh bien, tu es le même, hier, aujourd'hui et à jamais. Et je le professe, Seigneur, et dans le nom de Jésus, encore aujourd'hui, je serai plus que vainqueur. Parce que tu es mon Dieu et tu es mon réconfort. Amen. Ne jamais oublier, c'est vaincre la bataille contre Satan. Il est important. Et vital de ne jamais oublier. David l'exprime aussi très bien dans le psaume 103. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia! Allez aucun de ses bienfaits. Nous sommes appelés à penser et à méditer sur la bonté et la miséricorde de Dieu, car il est beaucoup trop facile d'oublier euh, ce qui est inestimable. Quelles sont tes plaques commémoratives? Quels sont les bienfaits que le Seigneur a fait pour toi? Oh, il est bon de t'asseoir et puis de prendre un papier et un stylo et puis de commencer à écrire. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi jusqu'à aujourd'hui? Et vous allez voir, qu'alors que vous retournez dans le passé, vous allez vous rendre compte une après l'autre alors que ça revient à la mémoire combien le Seigneur a été merveilleux. Combien le Seigneur a été présent. Combien le Seigneur a été fidèle. Quels sont tes plaques commémoratives Quels sont les bienfaits que le Seigneur a fait pour toi Est-ce le jour où tu as donné ton cœur au Seigneur Qui se rappelle du jour où on a donné le cœur au Seigneur Alléluia Le jour où il est rentré dans ta vie. Oh, quel jour merveilleux, moi je m'en rappelle. Même si je suis né dans une famille chrétienne, j'ai eu à un certain moment à avoir à avoir, prendre une décision personnelle et je me rappelle très bien de ce jour. Est-ce que le jour où tu as été rempli de l'Esprit Saint j'avais 15 ans et j'étais allé dans un camp de jeunesse euh, avec mon église euh, chrétien. Mais je vais vous dire la vérité, je ne suis pas allé euh, pour les affaires spirituelles. Euh, j'étais un peu plus maigre, j'avais plus de cheveux, puis j'étais un peu plus beau. Je ressemblais à Brad Pitt un peu, là. Et euh, j'avais quelques intentions spirituelles, mais j'allais plutôt pour. Il euh, y avait euh, certaines petites sœurs euh, dans le Seigneur qui étaient intéressantes. Et. Je me rappelle qu'il y avait, ici dans les Vosges, et puis il faisait froid, et puis vers 2h du matin, je j'arrivais pas à dormir, et il y avait une grosse tente, une grosse tente à l'extérieur, il faisait froid incroyable. 2h du matin, je vais là, et puis je me suis agenouillé, et puis j'ai dit Seigneur, euh, vraiment là, j'ai besoin d'être sérieux avec toi là. <laughs> Le Seigneur, il a dit, ça va être du travail ça, mais bon, je peux tout faire, euh, je vais essayer de travailler sur toi là. Et j'ai dit Seigneur, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ton esprit. J'avais 15 ans. Et je savais déjà de l'âge de 8 ans qu'un jour, j'aurais servi le Seigneur. Je savais c'était en moins... Euh, je prêchais déjà quand j'avais 8 ans. Et il bon, faut faire attention, il y a des enfants qui prêchent, des choses comme ça, que Dieu les bénisse, et tout ça. Mais c'est quand même quelque chose de très sérieux. Hein, la prédication de l'Évangile, ce n'est pas à prendre à la rigolade non plus. Donc il faut vraiment qu'il y ait un appel de Dieu, une conviction de l'Éternel. Et c'est le Saint-Esprit qui guide. Hein. Et, mais j'avais 15 ans, et je me suis mis à genoux, et puis j'ai dit, Seigneur, je veux, que, que, je veux connaître ta puissance. Et puis je me suis endormi sur la chaise. Okay le Seigneur va réveiller le pasteur qui prêchait pendant des jeunes. Il lui a dit Tu vas dans la tente, tu imposes tes mains sur Joseph. Et quand il a dit Joseph, le pasteur a dit Non, non, pas lui, pas encore lui. Et tu ne dis rien et tu retournes. Je me rappelle de ce jour-là, parce que je croyais que j'étais en feu. J'ai commencé à sortir de la tente et à crier parce que je croyais que j'étais en feu. J'ai senti des mains sur moi. Et puis j'ai senti un feu qui m'a traversé et j'ai commencé à parler dans de nouvelles langues et je me rendais même pas compte que j'étais baptisé dans le saint J'avais une trouille, une peur bleue de ce qui m'était passé, je croyais que j'allais exploser. Et euh, je ne savais pas que c'était un pasteur qui dit, je ne l'avais pas vu, je n'avais rien vu. Et j'étais rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez, c'est tellement réel et tellement vrai comme expérience qu'encore aujourd'hui, quand l'ennemi vient et met le doute dans ma vie, et me dit, est-ce que tu es sûr que Dieu t'écoute Est-ce que tu es sûr que Dieu est vivant Est-ce que tu es sûr que... Je me rappelle de cette expérience, et je dis, je suis sûr, et plus que sûr, que Dieu est réel. Et ce soir-là, c'est le soir où j'étais rempli de la puissance du Saint-Esprit, et ça m'a suivi toute ma vie, jusqu'à encore aujourd'hui. Et ça, c'est une de mes plaques commémoratives. Et j'y retourne souvent quand l'ennemi me dit, l'Esprit de Dieu ne fait plus rien aujourd'hui. Parce que ce n'est pas vrai. Il est encore à l'œuvre. Est-ce le jour où euh, tu as été clairement appelé euh, dans le ministère Ça fait plus de 33 ans que je sers le Seigneur et je vous garantis que je ne sais pas comment il a fait. Ils ont dû se tremper dans un ordinateur là-bas et mon nom, ils, doivent être, ils ont dû mettre mon nom et je ne devrais pas être là. Mais bon, ça fait 30 ans que je sers le Seigneur et, et je ne regretterai jamais, jamais d'avoir pris cette décision-là. Et chaque Année qui passe, je dis Seigneur, merci pour une autre année que je peux inscrire dans les annales de mon cheminement, cheminement chrétien. Je regarde à ça et je dis Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle à ce le jour où tu as rencontré la personne qui craint l'Éternel comme toi, qui est devenue ton mari, qui est devenue ton épouse. Quand j'étais à l'école biblique, je me suis vite rapproché d'une église italienne qui était là-bas. Mon beau-père était pasteur. Alors moi, je viso. Hein. Euh, je dis, eh, pasteur, la fille, elle est où? Paf, là-bas, ça sera ma femme. Non, c'est pas vrai. Mais écoutez bien, j'ai tellement d'histoires à raconter, mais il va y avoir une tempête, il faut que je vous fasse passer. Mais des miracles que Dieu a fait, c'est incroyable, c'est incroyable de, de pouvoir retourner en arrière. Essayez, essayez ce soir, retournez et regardez ce que le Seigneur a fait, parce qu'on a tendance à oublier. Hein, et on va se rappeler, on va se dire Mais Seigneur, c'est vrai, mais Seigneur, c'est vrai, mais Seigneur, c'est vrai. J'étais à l'école biblique et quand je suis rentré, ma, ma femme avait 15 ans. Elle jouait du piano, mais c'est une pianiste incroyable et euh, elle est, est très belle aussi. Euh, vous dites, avec une tête comme ça, comment as fait Bon, bah écoutez, l'amour est aveugle. Chut hein et alors, euh, dès que je suis rentré, mais elle me l'a dit après que j'étais marié. Hein, après, que nous étions, mariées, elle m'a dit ça. Et c'est une personne qui est complètement l'opposé de moi. Moi, je, euh, elle est très sérieuse, donc elle blague pas avec ces choses-là. Et elle me dit que quand je suis rentré, elle m'a dit plus tard. Elle s'est retournée. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, cet homme sera ton mari. Oh, mais il fallait aussi me voir, hein? c'était pas... Hein? <laughs> Écoutez, je me rappelle de ça. Et quand l'Esprit, quand l'ennemi vient... Et qu'il essaie de rentrer dans le, dans le foyer, dans la maison, qu'il essaie de diviser, qu'il essaie d'apporter le péché, hein, la tentation. Parce qu'il ne faut pas, pas oublier que nous, pasteurs, nous sommes aussi fait le chair. Hein okay euh, L'ennemi, il veut nous faire tomber à nous il va faire tomber beaucoup d'autres aussi. Hein et quand il s'infiltre et tout ça, je me retourne à cette promesse. Je dis Seigneur, tu avais dit à cette merveilleuse femme qu'un qu jour j'étais son mari tu m'avais promis à elle c'est une promesse à laquelle elle est attachée. Et rien Rien Et personne ne me séparera jamais de l'amour que j'ai pour cette femme. Personne, et l'ennemi le sait, que c'est un endroit là où il ne peut pas toucher. Parce que je deviens méchant, je deviens très dur, parce que je veux protéger cette promesse que Dieu a donnée à mon épouse. Retournez de temps en temps, retournez de temps en temps en arrière, regardez ce que le Seigneur a fait pour vous, la façon dont Dieu a pourvu lorsque nous étions en mission à Malte. Une dernière histoire, et puis, puis après j'arrête avec mes histoires. C'est un témoignage, c'est ma vie. J'avais quoi, 25 ans. Euh, je connaissais rien du ministère. Je pensais que je connaissais beaucoup. Ma femme et moi, on a pris deux valises, puis on a laissé notre appartement avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur à mon beau-frère. On lui tient les clés. Salut, on part suivre, le, servir le Seigneur. On est rentré dans un avion, on est, on est à Malte. Bon, il y a toute une histoire qu'un jour peut-être je vous raconterai. Comment le Seigneur a fait des miracles. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Je vous le raconte, je me rappelle, et puis je suis, je suis content de voir combien le Seigneur est fidèle. Et quand on est arrivé à Malte, alors c'était pas facile, parce que les Siciliens, ma femme est sicilienne, moi je suis calabré, et puis euh, on a eu des fiançailles merveilleuses à jour où je vous raconterai. Neuf mois j'ai vécu chez eux. J'ai jamais embrassé ma femme. Une fois. La seule fois, la première fois que j'ai embrassé ma femme, c'est quand le maire a dit « Vous pouvez embrasser votre... Euh, » euh. Alors là, j'ai attrapé par les oreilles et je lui ai donné un de ces bisous-là, parce que le beau-père était petit comme ça, mais siciliens, on rigolait pas. Hein. « On s'asseyait pas ensemble ?» On se donnait jamais la main, euh, jamais tout seul. On n'avait jamais promené rien, comme en 1780 en Sicile. En tout cas, mais là on était seul. On est parti en mission, l'œuvre du Seigneur. Et c'était pas facile de prendre la fille d'une tellement d'une telle grande famille et de dire on va partir, on laisse tout. On avait un travail, j'avais un travail, elle avait un travail. On a tout quitté du jour au lendemain. Une femme, quand j'ai dit Seigneur, je te mets à l'épreuve là. Je veux partir. Je sais que j'ai l'appel du Seigneur. Seigneur, demain je quitte mon travail. J'ai quitté mon travail. J'arrive à la maison, ma femme me dit "Ah, t'as quitté ton travail." Elle est allée et elle a quitté son travail elle. Le Seigneur nous a appelés tous les deux. On va partir. J'ai des histoires formidables à vous raconter. En tout cas, on arrive à Malte et puis il y avait un groupe d'églises aux États-Unis au travers d'un missionnaire qui s'appelait Anthony Jordan, un homme de Dieu formidable qui est avec le Seigneur, qui avait dit "Je vais vous aider à, à trouver une certaine somme d'argent qui va vous soutenir parmi les églises américaines." On avait réussi à récolter 400 dollars par mois. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même assez. Vous savez que quand on est arrivé à Malte, pendant six mois, ils ont fait une erreur à la banque, l'argent n'arrivait pas. Six mois, c'est pas un jour. Alors le premier mois, on avait ramené des salamis, des petits trucs, des fromages. Et alors c'était vraiment avec le petit coup de dans un petit appartement, on était vraiment des missionnaires. Ma femme, elle était solide dans les mots. Elle pleurait comme un bébé tous les jours. Je dis marie Joseph, On avait seulement douze personnes, maltaises qui était catholique, qui avait, au travers de ce missionnaire, accepté le Seigneur, connaissait rien de la Bible, n'avait jamais lu la Bible, il ne savait même pas que c'était le mot pasteur. Et, euh, et, euh, et donc il m'appelait Père, hein, mais il ne comprenait pas pourquoi j'étais marié. Et douze, euh, douze euh, en étaient douze, et moi treize. J'avais l'impression Jésus avec les douze disciples. Pendant six mois, six mois, pas d'argent. Je disais à ma femme Est-ce qu'on appelle On appelle nos parents On appelle Non. Le Seigneur nous a amenés ici et le Seigneur prendra soin de nous. Parce que si on les appelle, ils vont dire Tu vois, n'était pas la volonté de Dieu. On vous avait prévenu. On vous l'avait dit. Mais moi, je dis Mais n'est pas grave. Je veux pas mourir de faim. Non. Elle me disait. Tu es l'homme de Dieu. On n'aurait pas dit que j'étais l'homme de Dieu à l'époque. Hein. Écoutez. Quand le salami, la saucisse, et tout ce qu'on avait, c'était terminé là. Et je ne vous raconte pas des blagues, c'est la vérité. Elle était là, Si elle était là, elle vous le disait. Un jour, je vous la présente, ma femme. Lui dites pas que j'ai raconté toutes ces histoires. Et écoutez, chaque semaine, j'en ai les frissons. On avait une boîte devant la porte. Pas tout le temps à la même heure, pas tout le temps la même journée, mais une fois par semaine. Et à l'intérieur, il y avait des œufs, il y avait de la viande, il y avait, euh, avait du pain, il y avait euh, des fruits, il y avait euh, des boissons, etc. Pendant les cinq autres mois, toutes les semaines. Imaginez moi, la nuit, dès que j'entendais quelqu'un, j'ouvrais la porte. il ouais. y avait des gens qui passaient, puis ouais. il est fou, lui. Et puis j'ai essayé, j'ai essayé pendant cinq mois, cinq mois, j'ai jamais trouvé. J'ai demandé aux douze apôtres. Ils me disaient non, non, l'ay, l'ay, parce qu'il parle un peu comme l'arabe, c'est pas moi. Ma femme me disait, c'est l'éternel qui prend soin de nous. Vous savez, si je croyais pas que c'était un miracle de Dieu, je vous le racontais pas ce soir. Je vous le racontais pas. Le Seigneur a agi. Après six mois, le missionnaire nous a appelé. Alors, est-ce que vous recevez l'argent Je dis, ben bah, non, on n'a rien reçu. Pendant six mois, vous avez rien dit. Ben, ce n'est pas dans la culture européenne de beg. Okay, alors on a reçu l'argent, mais c'était un gros montant, on ne savait pas quoi faire avec. Et puis, la boîte de nourriture a disparu. Écoutez, j'ai des dizaines et des dizaines d'histoires à vous raconter comme ça. L'ennemi, là, il a vraiment du mal avec moi. Parce que chaque fois qu'il vient toquer à la porte et qu'il essaie de me décourager, j'ai des tonnes et des tonnes d'histoires à lui raconter concernant la fidélité de Dieu, comment Dieu nous a protégés euh, contre les pièges de l'ennemi, le jour où nos enfants sont nés. Je me souviens du jour où nous avons consacré nos enfants euh, pour le Seigneur, le nombre de miracles qu'il a fait dans nos vies. Alors, que le temps passe, je continue à ajouter ces souvenirs sur le mur de ma vie. Alléluia. Je me souviens, je me souviens, et je ne veux jamais oublier. Je revis ces moments avec une, une, une grande intensité. Je me sens encouragé dans mon esprit par la fidélité de Dieu. Alléluia, alléluia, par la fidélité de Dieu. Rappelez-vous, rappelez-vous, mes frères et sœurs et mes amis, comment le Seigneur a été fidèle. Il a écrit, de nouveau, je vous répète, dans le psaume 103, verset 2, Mon âme bénit l'éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Alors qu'on termine, il est important de ne pas oublier la fidélité de Dieu dans le passé. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire encore aujourd'hui, parce que Dieu est tellement merveilleux, il est tellement grand, que ce n'est pas seulement le Dieu du passé, c'est le Dieu du présent, le Dieu du futur. Vous savez qu'il y a plus de 8000 promesses dans la parole de Dieu qui concerne chacun d'entre nous. Beaucoup de ces promesses sont des promesses qui concernent le futur. N'oubliez pas aussi les promesses de Dieu pour l'avenir. Seigneur est le même hier, aujourd'hui et demain. Je vous encourage à créer des souvenirs avec Dieu. Faisons-le avec nos enfants, faisons-le avec notre épouse. Afin que plus tard, on ne vise pas avec des regrets et qu'on puisse dire Ah, si je pouvais retourner en arrière, et, et je referais les choses différemment. Aujourd'hui, c'est le jour où tu crées tes plaques, où tu crées tes plaques commémoratives, où tu crées, où tu as des expériences avec le Seigneur qui vont devenir des pierres, des pierres de souvenir, de commémoration dans les jours à venir, qui vont te rappeler de la fidélité de Dieu. N'oubliez pas. Rappelez-vous de belles expériences que vous avez eues. N'oubliez jamais ces promesses pour le futur. Et n'oubliez aucun de ces bienfaits. Cher pasteur, merci pour l'invitation aujourd'hui. J'aurais tellement d'autres choses à raconter. Si vous permettez, je voudrais prier pour vous. Et puis, après le pasteur va prendre le micro. Est-ce qu'on peut se lever Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, alors que ce soir nous allons chacun rentrer dans nos demeures, alors que nous allons ouvrir les portes de ce foyer où nous vivons, nous allons rencontrer des gens que nous aimons, avec qui nous avons fait tellement, eu tellement d'expériences, tellement de beaux souvenirs et même de difficultés. Seigneur, il est important que, alors que euh, on continue à, à vivre cette vie que tu nous as donnée sur cette terre dans l'espoir d'un jour euh, vivre avec toi pour l'éternité, de savoir que dans les moments de difficulté et de détresse que nous allons traverser, Seigneur, il y a des pierres de commémoration que nous avons plantées, qui sont là et qui vont non seulement nous rappeler de ta bonté. Et de ta fidélité, mais Seigneur, qui vont parler à nos enfants, à nos générations, je te prie que chacun d'entre nous, Seigneur, non seulement puissions retourner en arrière et nous rappeler, mais alors que nous nous souvenons de ce que Dieu a fait, que nous puissions leur raconter, raconter tes bienfaits à nos enfants, à ceux que nous aimons, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur. Nous ne voulons pas oublier. Toi-même, quand tu as brisé le pain, lors du dernier repas, quand tu as présenté cette coupe de la nouvelle alliance, tu as dit, faites-ceci en mémoire de moi. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, rappeler, louer Dieu et nous rappeler de tous ses bienfaits. Je te prie pour cette église, pour cette assemblée, pour les pasteurs, pour tous ceux qui travaillent ici, Seigneur, qu'ils puissent regarder en arrière et de voir combien tu as été fidèle et de savoir que, Seigneur, le futur est un futur glorieux. Dans le nom de Jésus. Amen.